Il remonte, il remonte, il remonte, il remonte, il remonte en flèche. Wouah, la flèche qui m'a fait. Ouh, elle est là, plus gros. Juste dessous. Salut les potes. Coucou. On espère que tout très bien pour notre part, ça va nickel. Très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pêche au... silure. Voilà, silure et en... flotte-tube. Flotte-tube, regardez derrière le Matcat, le Caperlan. Voilà, tout est là, on est parti. Donc là, on est à l'escure d'Albigeois, donc il y a une petite plage, vous allez voir. C'est tranquille, l'été, c'est abordable, voilà, on peut venir sur la petite plage. Et pour mettre son flotte-tube, etc., etc. Donc bref, aujourd'hui, nous allons faire la pêche au silure. Donc on va tester, mais toujours pareil, vertical et avec cette nouvelle méthode qu'on a peut-être inventée, je ne sais rien. Au cassant. Voilà, au semi-cassant, au cassant. Depuis le flotte-tube. Voilà, au cassant depuis le flotte-tube et on vous montrera pourquoi. Durant cette vidéo, je pense que je m'arrêterai sur un petit moment et je vais vous expliquer un petit peu plus en détail cette technique-là et pourquoi on la pratique. On est qu'au début de la saison et ça a déjà bien démarré. Vous allez voir cette technique, c'est une des meilleures. Et bon, bref, je vous en dirai plus. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Le pouce bleu et aussi tu t'abonnes et actives la cloche de notification pour rien rater des vidéos. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux aussi, sur Facebook, Instagram et TikTok. Voilà, et donc TikTok, plein de petites vidéos rigolotes, voilà, qui sont un petit peu les making-of, un petit peu les dossiers supplémentaires, les dossiers, les casseroles, etc., etc. Bref, donc on espère que vous avez passé un excellent moment avec nous. On est là pour vous divertir, vous le savez bien évidemment, pour essayer aussi de faire du poisson. Mais hein, bien sûr. Parce que madame, il y a intérêt que tu fasses du poisson aujourd'hui. Je vais en faire, bien sûr. On espère aussi que les silures ne sont pas en frais, parce que je sais qu'il y a pas mal de régions, de départements où le silure est en frais. Tout est différent par rapport aux températures de l'eau. Bref, on va voir. On vous dit à la première poisson, on vous dit au premier poisson, on vous dit au premier truc, au premier plongeon de Johanna, oui. C'est rien, on verra bien. Bon bref, allez de suite les potes. Bon voilà, le Matcat est là, le Caperlan est là, oh mon dieu, elle est là, voilà, les palmes, pour ceux qui demandent, ce sont les palmes de Decathlon, c'est le premier prix, ce sont les meilleures palmes pour palmer. Alors si vous avez, voilà on est pieds nus, hein. Si vous avez, comment dire, les chaussons, les waders, etc., il existe aussi des palmes comme ça, je crois que c'est un peu plus long que chez Decathlon, où on peut mettre le wader, c'est apparemment, ça marche pas mal. T'es prête? Ah ça y est, je suis prête. Zone à faire du chevel, on verra si on fait une verticale là-bas. On va descendre tout là-bas au fond, au loin là-bas, tu vois. Croisons les doigts. Ah, ça a mouché, j'arrive. Bon, on est paré. Madame est parée. Oui. Tout le monde est paré. Parti. Let's go. Bon, je disais, hein, quand la GoPro s'arrête, hein, que le mieux, c'était, je sais plus, d'avoir des hameçons, oui, plus adaptés pour le chevel. Parce que là, c'est un hameçon à carpe, donc c'est fait pour les carpes. Hein. Bon, bref, ouais, un petit groupe, même comme ça, un petit peu plus, un petit peu moins, à changer souvent, parce que dès qu'on a une attaque de chevel, eh ben, on fait démonter. Et allez, le but, c'est d'aller faire les bordures. Alors, je me méfie, parce que il y a un gros herbier, voilà, plein d'algues. Et du coup, si les silures viennent à frayer, j'ai pas envie de me retrouver, tu vois, dans au-dessus de leur nid. Déjà, un, pour les laisser tranquilles. Et puis, de deux, prendre un coup de croc dans les palmes, là, tu vois. Pas terrible, c'est pas ouf, quoi. Allez, on a fait un joli, là. Regardez. Vous voyez ? Donc comme ça, la carpe, en fait, il pique tellement bien. Franchement, il est pas mal. Finalement. Un petit hameçon de 6, sa carpe. Voilà. Allez, hop. Celui-là, il est pas mal. Donc on va changer les asticots.
On va continuer. Allez les petits alvéens. Allez là, je vais moi chez les balèzes. Oh enfin les balèzes, ça fait ouais, 6 kilos peut-être. Elle est venue voir par curiosité, une commune, je sais pas si on a vu la GoPro. Parce qu'avec le reflet c'est chaud, mais moi je l'ai vu en visu. Avec la bouche, j'ai vu la bouche. Voilà, je pense qu'elle a eu peur, ça m'a vu, j'ai pas bougé pourtant. Moi j'enregistre. Elle a voulu celle-là. Bon, voilà, ça y est, on est posé. Donc j'ai fait quelques vifs, non pas faramineux. Et donc je vais vous expliquer un petit peu quelle est la méthode du cassant depuis le Zodiac ou en flotte tube. Là on est en flotte tube. Là vous allez voir, vite fait, je vais vous montrer un petit peu. Donc là voilà où je suis. J'ai 5 mètres de flotte. Et là vous voyez, je sais pas si vous allez. Attendez, viens voir la zone. Voilà, derrière moi. Vous voyez ces zones-là? Voilà, toutes ces zones comme derrière moi là, comme ici. C'est zones propices. Alors j'allais me dire ouais comme certains ouais c'est pas du cassant nanana tu passes avec un bouchon en dérive c'est pareil. Non c'est pas pareil parce que le fait d'être comme en mode cassant votre poisson va rester sur la même zone et sur des zones qui sont encore plus encombrées. Vous allez pouvoir vous rapprocher des zones vraiment les plus encombrées, c'est là où sont les silures. Donc je parle pas trop fort parce qu'on est vraiment sur la zone et là on a un gros arbre. Donc là c'est comme ça, on regarde dans l'éco-sondeur, on voit ce qui se passe en dessous pour pas accrocher non plus. Ensuite le but c'est pas non plus de mettre trop de profondeur. Voilà, moi ce que je fais, je mets l'équivalent de la canne plus ou moins 1m50, 1m80 de fond, pas plus. On pourrait aussi mettre beaucoup moins au cassant, c'est le but aussi. Hein. Donc là on va se préparer. Alors j'ai pas des gros vifs, mais on va quand même tenter parce que je fais c'est un poisson qui est quand même assez coriace. Donc là on va se préparer, donc je vais monter la ligne au bouchon. On va prendre un vif et puis let's go qu'on va tenter. Donc même si c'est l'après-midi, ça change pas. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à se poser commentaire. Pour les bas de ligne, tout ça aussi, je l'ai fait moi-même. Voilà, je n'achète pas de le commerce. C'est grosso merdo comme ceux qui vont dans le commerce, mais c'est moi qui l'ai fait moi-même. Voilà. À de suite. En quoi là on a posé le vif, vous voyez. Donc, je fais un cassant court parce que c'est quand même assez propre. Donc voilà, vous voyez. Donc là, je vais dérouler. On desserre le frein et je vais aller me caler derrière là où je peux déjà. Mais là c'est bien parce qu'on a deux zones de branches et la zone où je vais derrière je peux pas forcément pêcher. Parce que vous allez voir, il y a des branches en dessous. Donc si je m'étais mis là-bas et pêcher à l'inverse, ça aurait été plus dangereux, regardez. Vous voyez, il y a des gros arbres et tout, donc ça aurait été beaucoup plus dangereux. Donc là, juste essayer de passer derrière ça parce que vous avez une branche là. Donc je disais, le but voilà, c'est pas forcément de pêcher comme au cassant quand tendu etc. C'est d'être tendu même si vous êtes à la verticale comme ça. Vous tenez la canne. Si vous avez un support de canne c'est encore mieux si vous faites un petit support. Et voilà, quand ça va casser c'est de maintenir la canne pour que ça puisse casser correctement. Et après voilà, le combat tout ça se fait pareil. Et puis vous vous détachez derrière pour aller à la rencontre du poisson pour vous dégager de la zone. Et de combattre à des endroits un peu plus propres. Et puis c'est tout. Voilà. Donc voilà, on va attendre un petit peu. Donc je vais regarder l'heure qu'il est. Donc là il est. Il est 13h. Et c'est parti. Let's go. Reprend qu'on a eu le vif qui s'est énervé et comme j'aimerais bien vous montrer une touche en direct, bon c'est jamais, s'il faut c'est rien, s'il faut il y a peut-être un poisson qui est déjà monté quoi, on verra bien. On a vu le chevin s'énerver. Après généralement on reconnaît quand il y a la touche, quand il part en fuite le vif
Parce que c'est bien ce qu'on clonque pas, tu vois. Ouais. On laisse faire le naturel, quoi. Ça reste furtif. Pas de clonk, pas de bruit. Voilà. Bon, ça fait une heure. Oui, ça y est. Pratiquement une heure. On n'a rien eu, on a eu quelques soubresauts de vif là. On pourrait attendre un peu si on veut. Mais le but c'est que voilà, on va faire une heure comme ça, maximum, et on va changer de zone parce qu'il y a plein de zones à faire. Donc là ce qu'on va faire c'est que bon, je vais le détacher. Et madame elle va se mettre aussi pareil que moi. On va voir si on peut se mettre sur une zone avec deux et on verra qui fait le premier fil. Voilà. On verra bien. T'es prête hein? Au lieu de bronzer, putain elle fait que bronzer là. Oui, bah, tranquille là. Bon allez Nico, vas-y portail. J'espère qu'il a pas tué. C'est pas petit, c'est pas gros. Il remonte, il remonte, il remonte, il remonte, il remonte en flèche. Wouah, la flèche qu'il m'a fait. Il est redescendu. Il est au fond. Quoi, le coup que lui a mis? Ah, le voilà, il est encore au fond là. Il remonte. Ou en flèche, il remonte en flèche. Il remonte en flèche. Il est dessus. Il est encore dessus. Il est redescendu. Je me demande s'il n'a pas décroché le trip. Bon, on arrive à la deuxième zone. Mais vous la voyez derrière moi. Grosse zone. Donc après s'être fait attaquer par des silures à la verticale, ils m'ont tué mon vif, donc on a changé parce que là j'ai réussi à faire quand même de jolis vifs. Donc là voilà, on va se mettre, vous voyez, tout ce gros arbre là. Et le but c'est d'aller se caler. Ah, je me retourne. Ici. Voilà. Voilà, donc du coup Joanna, elle va se mettre sur cette petite branche là. Vous voyez, j'ai mis le petit cassant déjà. Le petit cassant. Moi je me mettrai sur celle-là. Moi ça fait chaud. Hein. Je sais pas ce que t'as pas ici, mais il fait que chaud quoi. Mettez voilà, mon les potes. Par contre, s'il y en a un qui veut bien m'apporter une bière, je dis pas non. Calé, pépère. J'ai oublié mon bouchon. Hein. Faut que j'en atteigne. Madame a oublié son bouchon. Ah, attends, je crois que j'ai une solution. Ça va avec quoi? Attends, tu vas voir. Après la mousse. Non, pas la mousse. Ça va me sortir encore un tampax, une connerie. Mais non, c'est rien de méchant. Un préservatif? Oui, parce qu'on peut souffler dedans et ça fait un bouchon. Et ouais, mais sinon qu'est-ce que tu fous avec un préservatif? On se pose des questions. Je sais pas. C'est au cas où, c'est comme une précaution. Au cas où de quoi? Ben pour le cylindre. Ouais d'accord, bon. Madame va mettre un bouchon, on dérive. Hein. Madame va mettre un bouchon, va faire un bouchon avec un préservatif. Mort de rire. J'ai... Ici, retouffi, je te dis, c'est pas la pêche comme tu verras ailleurs. Abonne-toi, poteau, parce que tu vois tous ces trucs. Pour les plus jeunes, ça s'appelle un ballon pour adultes. Hein. Ouais, un ballon pour adultes. Hein. Alors, comment tu vas nous faire ça? Un bouchon avec un préservatif. Je crois qu'il faut le dérouler d'abord, ça serait mieux, non? Ah oui. Elle a même pas déroulé, elle essaie de gonfler, mort de rire. Oh, con, j'en peux plus d'elle. Nem. Un peu plus, non? Ah, c'est bon là. On va faire un nœud. Un bouchon avec un préservatif. Oh là 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 là. J'essaie de l'accrocher et puis je vous reprends parce que là je pourrais pas tout faire. Ouais, ah, ben on va rigoler. Ah, mon bouchon spécial adulte, hein. Moins de 18 ans. Hein. Là, c'est embrouillé le truc. Ouais, ça va faire paf!
Bon, voilà, madame est là, moi je suis là, on s'est attaché là-bas, donc je vais vous montrer ça, comment c'est attaché. On est calé, polonais. Et ouais, petite question, tiens les potes, pendant qu'on vous tient, parce que j'ai l'impression qu'on se retrouve à l'île perdue. Non mais vraiment, d'ailleurs vous le voyez au-dessus de mon doigt, là, regardez bien, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un truc de chenille, ou je sais vraiment pas ce que c'est, j'ai pas eu le perso. Ou un truc d'araignée, vous savez? Ah ouais, un gros truc d'araignée, c'est fou, il y a plein de milliards d'araignées là-dedans. C'est des migas là, on est à l'île perdue les gars. Donc on va s'attendre à avoir un dinosaure, mort de rire ton bouchon là-bas. Bon, vous voyez pas, parce que forcément le bouchon jaunin il est transparent, enfin si vous voyez, tant mieux pour vous. Et ensuite voilà, il y a mon bouchon jaune qui est là, et on a le vent qui nous aime pas. Bon, ben, si on voit le préservatif couler, fichon. J'aimerais bien savoir quand même ce que tu fais avec ce préservatif. Hein. Mais bon. Oh, mystère. Ouais. Madame va s'essayer de faire du cheven. Enfin, déjà, si elle m'accroche par la ligne, ce serait pas mal. Donc, tu arrives? Oh, le ferrage du cousin. Le ferrage du seigneur. Alors je vous montre comment j'ai pelé. Eh oui, c'est... Oula, mon vif s'excite. Hein. Bonne nouvelle. Hein. Ou pas. Et voilà, pauvre. Et voilà, c'est fini. C'est fini, bon, on a fait capot. Hein. Bon, capot. C'est comme ça. Non, mais surtout, voilà, les cilios sont en pleine fraye, donc c'est pas la peine de les déranger plus, de toute façon. Quand ils viendront pas quand même. Hein, mais quand ils frayent, de toute façon, ils mangeront pas. Ça, donc, hein. À moins... voilà, que j'aille dans les nids, les déranger au leur, ouais, ben, bon, pour qu'ils puissent mordre par agressivité, quoi. Mais c'est pas mon truc, donc je préfère les laisser frayer tranquille. C'est pas grave, hein, on a bien profité de la journée, on a surtout appris, pour certains qui voulaient s'intéresser un peu plus à la pêche au cassin depuis Zodiac, enfin, Flottube, etc., depuis une embarcation. Donc si vous avez des commentaires, si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à nous, les poser, on répondra à tout le monde. Nous on sèche, le Flottube. Tu sèches, Jolie, là ? Il sèche. Voilà. Et puis c'est tout, quoi. Donc on reviendra, de toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. Bien sûr. C'est que le début de la saison, poteau. De toute façon, c'est pas fini notre aventure. Tu restes connecté, sinon tu vas tout louper. Ouais, mais toi, tu... même le cheven. Mais ça va, t'as mon fils ? Rien, rien. Même pas un cheven. Sinon, le préservatif, il sort toujours ? On ne sait toujours pas et je ne le saurai jamais, en fait. Je sais pas, ma mère, elle m'a dit, il sort toujours couvert, alors. Bon, bref. Bon, on n'en saura pas plus, hein. La lumière.